told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Bonjour les bandits! Coucou! Comment est-ce que ça va bien? On était en train de faire des courses et on se dit, tiens, j'ai oublié les bandits, j'ai pas fait de vidéo. Bah bravo! On est parti chercher de l'OSB, enfin des conneries. Mince, enfin vous voyez, l'OSB il est là, les conneries, c'est Charlotte, c'est pas moi, c'est Charlotte! N'importe quoi! et donc du coup, on est parti chercher l'OSB parce que je suis en train de fabriquer les coffres qui vont servir à soutenir mes caisses à outils dans la soute. Et il va faire des genres d'étagères aussi. Ouais, des étagères, voilà, c'est ça, j'ai cherché le mot. Et on va tout vous montrer parce que pour les stocks de Charlotte aussi, on a décidé de ne pas faire d'étagères, ça ne servait à rien vu qu'elle range tout dans des boîtes. Mais moi par contre, comme c'est des caisses qui prennent pas beaucoup de place et qui sont lourdes, j'étais obligé de faire des étagères pour pas les empiler les unes sur les autres. Et voilà, moi j'ai une toute petite place et Charlotte elle a beaucoup plus de place que moi. Et moi, faut que je me débrouille avec juste ça. C'est pour ça que je suis allée rechercher une grosse caisse en fait. Ouais, pour vos suites, tout ça. Et bon, allez, assez parlé, on reprend la route. Et tu vas les fabriquer tout ça quand même? Bah c'est quasi fini. Parce que t'as pas fait grand chose aujourd'hui. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, il y a ton oncle qui est venu que t'avais pas vu depuis 15 ans. C'est vrai, je suis trop contente. Ouais. Et tu vous voyez pourquoi j'ai pas posté sur les réseaux? Parce qu'on a profité d'eux et franchement, c'était trop génial. Et en fait, il vit au Sénégal. Et le Sénégal, c'est en Afrique. Donc? Peut-être qu'un jour. Oh là là, nous voilà ici. Bon, oh là 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 là, on a passé quelques jours assez intenses, hein. J'avoue, surtout moi. Et en fait, on n'a pas travaillé. Surtout moi. Surtout toi, ouais, t'as beaucoup bossé. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Oh, j'ai plus trop envie, moi, en ce moment. Hein. Autant que je vous dise. Bon, cela dit, on a quand même avancé un peu. Tu veux que je me pousse? Regardez, je vous montre. On a isolé les soutes par le bas. 3 cm de stérodure avec un petit contreplaqué par-dessus. Pour poser des choses. Il fallait qu'on range des affaires. Donc ici, moi, c'est la partie la plus petite, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oh, ça y est, Calimero. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Malheureusement, j'ai la partie la plus petite. Ça change pas, ça. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux qu'on parle de petits trucs ou pas? Moi, je m'en fous, je suis complexée nulle part. Hein? C'est trop méchant. Voilà. Alors donc, ouais, ici, ça va être la partie... des caisses à outils. Là, on aura un étage avec une planche. On a été chercher, on a pris des dalles d'OSB, vous avez vu tout à l'heure. Et ici, j'aurai encore un petit étage avec à peu près un petit 20 cm pour ranger des trucs assez légers et assez longs, assez encombrants. Je me suis laissé un petit espace là-bas pour le groupe, pour le compresseur qui me permet d'alimenter mes portes avant et portes arrière. Et par la suite, il y aura un petit T, je pourrai alimenter aussi le dérouleur à air comprimé. Et là, faudra faire gaffe parce que tu as les lumières, tu as le tuyau de gaz. Ouais, non, mais là, c'est pas grave, ça va être vraiment des petits trucs et il y aura des butées pour pas que ça bouge de droite à gauche. Voilà. Ici, je me suis laissé un petit espace aussi pour pouvoir aller accéder à mes nourrices. Que j'arrive pas. Parce que mon bras est trop court. Non, mais là, je vais mettre des petits trucs et puis on se fera une entrée. Voilà, enfin, on arrivera à se débrouiller. On peut aller vous faire voir de l'autre côté la partie à Charlotte, la partie la plus grande. On se retrouve à côté. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with a bright red hair. Now she stands high from all the rest. You'd know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl. Bon, on va arrêter, on va dire qu'on a pris la grosse tête. Alors donc voilà ça. Le problème ici. Ah ouais, ça passe pas. Bah ouais, on a été chercher une deuxième caisse, mais en fait, regardez. Ça frotte et le problème c'est que j'ai mon levier de vitesse qui passe de devant jusqu'à derrière et quand je vais passer mes vitesses, à mon avis, je vais taper sur la caisse. Après, je sais pas. Après, si tu casses mes caisses, essaye d'aller mettre un petit coup de levier pour voir. Genre, tu passes un étage, deuxième, troisième. Tu sais, on va voir. On va voir si vraiment ça bouge parce que regardez, si on arrive à les caler, ce qui est bien c'est qu'elles sont calées et là en fait, elle va mettre tous ses suites. Elle va mettre tous ses suites donc. Ouais, mais c'est dommage parce que la butée, elle marche pas. J'ai fait une butée là-bas. Vas-y. Non, ça va, ça bouge que comme ça, en fait. Ouais, c'est bon.
J'ai tout sali mes doigts. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, chouchou. Hein. Est-ce qu'on peut pas les mettre une comme ça? Est-ce qu'elles sont sur roulette? Vous voyez, c'est ça qui est bien. Et là, on peut pas fermer. Oh là là, ça va être galère, ça. Par contre, je pense que si t'enlèves les roulettes, tu pourras les emboîter plus facilement. Super, un millimètre. Bah, regarde. On va enlever un, on va gagner un. Vas-y, millimètre. Vas-y, on va essayer. Là. Voilà. Ah, parce qu'après j'ai encore mes petites caisses, vous savez, individuelles où j'ai toutes mes tailles dessus. Mais on est bête, en fait, il y a tes cartons de mug au milieu, on a dit. Ah ouais. Pour j'arrête le centre de gravité dire, parce que c'est lourd. Donc elle serait passée en fait. Bah, j'arrête pas de te le dire. Vous avez entendu, elle me l'a dit. Bah, bien sûr. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Aïe. Fais attention parce que tu vas dormir là. Alors, voilà ce qu'on est en train de faire. Je vous ferai voir dans la prochaine vidéo la suite de tout ça. J'avais des petites choses à vous dire. Je vais prendre mon petit pense-bête. Levé Basto. Ah, ça a fait vraiment, vraiment parler Levé Basto, et tant mieux, parce que voilà, ça a été super intéressant. Vous avez été nombreux à me remercier pour la dernière vidéo, la vidéo d'explication, où j'ai fait un peu le professeur. Et voilà, j'ai dit ce que je savais, hein, tout simplement. Je connais pas tout sur système de chauffage quand même. C'est clair. Mais bon, apparemment, ça vous a bien aidé. Et ça, c'est tant mieux. Ouais, hein, vraiment, ça. Franchement, même Charlotte, elle a regardé, elle a dit, ah ouais, ça marche comme ça. T'es sérieux, depuis le temps que je t'explique? Franchement. Et donc, du coup, voilà, c'est cool. Les petites remarques que j'ai eues, remarques tout à fait légitimes, hein, bien entendu. c'est que vous avez peur que la puissance ne soit pas assez puissante. C'est ça, moi, je pars du principe où je me dis, le bus, il est bien isolé. Il fait même pas 20 mètres carrés avec tous les meubles. Hein. Mmh. Et je me dis, 5000 watts pour 20 mètres carrés, pour moi, c'est suffisant. On verra par la suite si ça fonctionne ou pas. Ensuite, on m'a parlé d'électrolyse. Alors, on va mettre un liquide glycol spécial système de chauffage. Donc, on verra. Après, apparemment, il existe un capteur qui pourrait capter l'électrolyse, parce qu'apparemment, l'électrolyse, ça peut te percer un tuyau, genre en très peu de temps. Ouais, c'est vrai. Et ça m'ennuierait que ça fasse ça quand même. Alors, si vous savez où on peut trouver cet appareil-là, qui règle l'électrolyse, qui capte l'électrolyse, bah, ça m'intéresse. Au pire, si c'est pas très cher, je peux en monter un. Franchement, vaut mieux, avec tout ce qu'on a fait maintenant, on n'est plus à ça près, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, vous m'avez dit aussi, oui, il n'est pas fait pour tourner H24. Il va pas tourner H24 parce qu'en fait, il se met en route, il réchauffe tout le système. Après, il s'éteint. Et dès qu'il rallume, a la température, il s'éteint, il se rallume. Grâce à notre thermostat. Grâce au thermostat. Cette nuit, on a une nuit qui était fraîche. Ouais. Et en fait, il s'est allumé à 6 heures. Mmh. T'as vu, j'ai bien regardé parce qu'on l'entend vraiment très peu. Il faut avoir l'oreille fine. Il s'est allumé à 6 heures. Il s'est mis au ralenti à 6h20 et il s'est éteint à 6h30. Ouais. Donc ça veut dire que quand il se met au ralenti, ça veut dire qu'il y a tout liquide qui est dans le bus, il est à 80 degrés, voilà, il ne bouge plus, il est à 80 degrés. Et donc il s'est mis au ralenti, ça tournait, puis après il s'est coupé, parce qu'après le thermostat, lui, on est passé au-dessus de la température de consigne, du coup, ça s'est coupé. Et ça s'est remis en route une heure après, j'allais encore dire 20 minutes. Voilà, c'est crois, ça, ouais. Ça s'est remis en route 20 minutes après, une heure et demie après. Donc le bus, il garde bien la chaleur, ça c'est bien. On n'a pas encore le rideau de la cabine. On sent du froid qui arrive de la cabine. Ouais, c'est énorme. Et encore, il fait pas super froid. Ouais. Quand il va vraiment faire froid, il faut qu'on fasse un gros rideau pour dépanner. Parce que bah, là, question finance, on devait mettre un store et tout, mais ça coûte trop cher. Donc, on va mettre un gros rideau pour couper le froid un peu. Voilà ce que je voulais dire au niveau du V-Basto. Il me reste juste à monter mon vase d'expansion un peu plus haut que le sèche-serviette pour qu'il soit bien rempli en eau. Et par la suite, je vais en retrouver un. Je vais en acheter un neuf. Il coûte pas cher, ces bidons-là. Pour qu'il soit joli, et je pense que je lui ferai un petit carénage parce que c'est vrai que ça fait vraiment moche. Moi, ça me dérange. Dans la salle de bain, non, mais au moins, on voit le vase d'expansion. C'est vrai qu'on voit le. Mais je ferai un petit truc que mais tu peux ouvrir. C'est sale, mais là c'était. Avec c'était un œuf, ça choquerait pour... moins, ouais, je pense. Mais là c'était pour essayer et tout. Ouais, donc, ouais. On sait que ça fonctionne, ouais. Franchement, ça marche pas mal. Mmh. On peut chauffer le sèche-serviette. Franchement, ça marche super bien pour l'instant. Le sèche-serviette, laisse tomber, ouais. C'est un truc de ouf. Ça, c'est terrible. Ça marche super bien. Et voilà, on verra tout simplement par la suite pour le V-Basto. Mardi, normalement, vous aurez une vidéo sur le montage du Cyrix. Voilà, MyShop Solaire m'a envoyé un Cyrix. Un Cyrix, c'est un coupleur séparateur qui vous permet de recharger vos... Bah, c'est pas vraiment un coupleur séparateur, c'est un appareil qui vous permet de recharger vos batteries cellules quand vous roulez. Et ça vous permet aussi de recharger vos batteries moteurs quand vous avez trop d'énergie qui sort des panneaux solaires, que vos batteries cellules sont pleines, ça peut vous renvoyer l'énergie dans les batteries moteurs et les recharger. Et ça, c'est très intéressant.
Ils m'ont envoyé les câbles hier, donc je vais pouvoir monter tout ça et je vous ferai une vidéo spécifique parce que c'est très intéressant aussi sur le montage du Cyrix avec le câblage. On va tout vous montrer pour que vous puissiez tout comprendre aussi et vous expliquer à quoi ça sert vraiment plus en détail dans cette vidéo. Ça sera mardi. J'ai un petit renseignement à vous demander, ceux qui connaissent vraiment bien au niveau de la mécanique poids lourd. On dit que les cars ils ne chauffent pas. C'est vrai que ceux-là, c'est des cars qui ont tendance à pas chauffer. Et moi, il y a un truc qui me dérange à l'arrière, c'est que quand vous démarrez le moteur et qu'il est froid, vous avez votre ventilo qui commence déjà à tourner super vite. Et c'est pas normal. Il refroidit déjà l'eau, alors que le moteur n'est pas chaud. Ouais. Et alors le moteur, dès qu'il monte un tout petit peu en température, bah, le ventilo, il tourne trop vite. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il refroidit. Alors, est-ce que c'est normal que le ventilo, il tourne aussi vite et qu'au final, il y a un gros carlostat à l'intérieur? D'ailleurs, si vous pouvez me dire s'il y a un carlostat, ça m'intéresse. S'il y a un gros carlostat, ça se trouve, il s'ouvre vraiment quand c'est chaud. Mais quand je touche les durites du radiateur, elles sont tièdes. Donc ça veut dire que le liquide, il passe dans le radiateur. Et moi, ça me dérange que ça refroidisse trop le moteur. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? On m'a dit qu'il y avait une vis de réglage BTR au niveau du moteur de ventilateur. J'avais essayé de la dévisser, mais c'était foiré. Enfin, je l'ai complètement foiré. Elle était grippée et tout. Donc, si c'est ça, voilà. Si vous pouvez m'indiquer le réglage, si c'est normal, comment on peut faire pour que le moteur échauffe un peu plus, pour qu'il y ait une bonne température de fonctionnement. Parce que là, quand on roule, on est tout le temps. Même quand il faisait ouais, bon, on est en bas quoi. Normalement, il faudrait qu'on monte au mieux, qu'on soit à 80-90 degrés. C'est une bonne température pour les moteurs. Ou est-ce que c'est tout simplement normal? Donc ça, j'aimerais bien que vous puissiez me renseigner. Merci encore parce que je pense qu'on va trouver. Ouais, hein, je pense que vous, ouais. Il y a des bandits qui sont comme ça sur la chaîne et qui sont bien calés. Ouais, qui sont bien calés. Des nouvelles de la table. La table, elle est en finition. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi soir. La table, elle sera finie demain matin. Elle est finie ce week-end. Peut-être qu'il y a un copain, Jean-Philippe, qui nous avait dépanné pour la cuve. J'ai vu les messages tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un copain, lui, qui va pouvoir, un collègue à lui, qui habite sur Toulon, qui va pouvoir lui ramener la table mardi, et il pourrait nous la ramener après. Enfin non, comment on va faire? On ira la chercher, enfin on se débrouillera, mais au moins elle aura déjà bien avancé. On n'aura plus besoin de faire la route, et puis transporteur, voilà, on voulait pas trop... Donc normalement ça serait réglé, il a bien galéré, c'était vraiment un sacré projet pour l'entrepreneur de faire cette table. C'est un sacré challenge et il a dit j'ai bien galéré, là il faisait vraiment toutes les finitions, il a vraiment tout fait nickel. Demain il n'a plus qu'à tout polir et ben nous on va le recevoir en 5 morceaux. On va le recevoir en 5 morceaux et puis il y aura les vidéos qui vont suivre, on va monter la table. J'ai 2-3 petites bricoles à régler aussi avant de monter la table, c'est que j'ai le couloir qui grince à plusieurs endroits, c'est pénible. Donc, il faut que j'arrive à trouver une solution. Je pense que je vais mettre des petits tampons un peu partout pour éviter que ça grince. Et en fait, le couloir, il s'est un petit peu affaissé de quelques millimètres. Hein. T'as vu, non? C'est vraiment galère. Parce qu'on a pas mis de, on a vissé des tasseaux comme ça dans le couloir en acier de chaque côté, puis on est venu poser les plaques dessus. Et on aurait dû mettre des renforts, plein de petites jambes de force partout. Et on aurait dû faire ça. Donc, je vais voir. Est-ce que je remets des renforts? Donc ça, au fur et à mesure qu'on avance dans le bus, on va tout refaire le couloir comme ça pour que ça grince plus avec des petits tampons en droite à gauche parce que moi, ça va me prendre la tête. Et ensuite, quand on posera le balatum, on ne pourra plus trop se permettre de venir régler ça. Ça sera fichu, quoi. On posera enfin le balatum. Et là, on posera enfin le balatum. Peut-être qu'en 2020, on ira en Afrique. Ah, des nouvelles bientôt. Ah là, ils ont lancé ça tout à l'heure, j'ai dit moi, faut pas me chauffer, hein, parce que là, pour le coup, là, c'est l'Afrique. Hein. On devait aller au Maroc, on ira, et on fera l'Afrique en dernier. Hein. Ça, c'est pas grave. Hein. Au Sénégal, on irait peut-être au Sénégal, on descendra un petit peu plus bas, mais pas grand-chose de plus, parce quoi, on verra. Dire, j'ai mon oncle que j'ai pas vu depuis plus de 15 ans, il est venu nous faire une petite surprise hier et aujourd'hui avec mon cousin. Et en fait, il habite au Sénégal avec sa petite femme et sa fille. Et du coup, j'étais trop contente. Ouais, c'est clair. Et ils nous ont lancé le truc. Va falloir venir nous voir. Parce qu'il y a les cousins Charlotte, pareil, ils vivent en camion et tout. Donc, vas-y, viens, on y va. D'accord. Ah là. Là. On a dit d'accord. Donc, peut-être que ça sera prévu pour l'hiver prochain, peut-être. Ouais. On verra ce qui va se passer. On partirait peut-être en novembre, c'est loin. Ouais, il y a 4500, à peu près 5000 km. On ne sait pas déjà ce qu'on va faire cet hiver. Voilà, il faut compter un billet de 1000 euros pour descendre, un billet de 1000 euros pour remonter. Hein. Voilà, faut plus dire. Plus tous les à côté, donc il va falloir mettre un peu d'argent de côté. On est dégoûté, moi je ne pensais pas, mais là-bas, le gasoil, le Sénégal, il est quasiment au même prix qu'ici. Hein. Donc ça, c'est un truc de dingue. Je ne savais pas, quoi. J'étais vraiment sur le cul.
Voilà, affaire à suivre, on va pas trop en parler. Parce qu'il n'y a rien de fait, on sait déjà ouais, pas où est-ce fait. Qu'on va partir en voilà, mois de novembre. On déjà, veut juste partir déjà, voir si tout se passe bien, et après on pourra commencer à faire des projets. Mais ça fait comme la Laponie, on a dit un an et demi avant on ira, on a été, et là si on dit qu'on y va, on ira. Donc voilà, ça, c'est un voyage qui des sera bien qui préparé. Les projets qui vont, qui va, ça veut rien dire, mais c'est, on verra. Parce que j'ai dit qui va. Non, c'est moi qui vont, qui va. voilà. Ça vient, ça va, voilà, c'est ça que je voulais dire. Des projets qui, ça vient, ça va, et... Et on verra, puis on n'est pas pressé en même temps. Donc maintenant, on aura la vie pour voyager et pour vous emmener dans d'autres pays. Voilà, la suite, semaine prochaine, eh bien, il va y avoir un petit peu de boulot encore, mine de rien. Et je ne vous cacherai pas, toujours pareil, je le redis, mais là, la motivation, là, c'est dur. C'est un peu dur quand même. Je finis tout ça, je finis les coffres, je vous montre tout ça mardi. Et surtout, n'oubliez pas le live dimanche, donc demain soir, n'oubliez pas le live. On a pas mal de petites choses à vous dire aussi. J'ai quelques petites surprises. Qui sont en train de se faire, mais je peux pas trop en parler. Voilà. Et on parlera de l'école aussi. Ah on oui. Parlera de plein de on choses. Il y a eu plein de petits trucs qui ont changé. Il y a eu beaucoup de changements. On vous dit tout ça demain soir sur le live à 19h. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc restez connectés et on vous dit à demain soir pour le live. Voilà, et suivez-nous sur Instagram si vous voulez des nouvelles plus régulièrement. Bisous à tous, bisous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye demain. Bye. On s'en va comme des artistes. Comme par hasard. Bah vous allez faire comment? Bah avec les enfants.